première fois que je vous parle officiellement. Il est rendu... ben, on est l'après-midi, dans le fond, il est 2h30. Puis, attendez, fait que comme je disais, vous chambralez, on est à début d'après-midi. Puis, c'est ça, c'est un samedi un peu étrange. Je me suis réveillée, puis j'étais vraiment fatiguée, comme j'avais besoin d'une journée comme calme à la maison, à faire mes petites affaires, puis pas sortir. Puis je me suis réveillée avec un mal de tête, là, qui est encore là, d'ailleurs. Faudrait peut-être que je boive du café. Là, tu sais, des fois, le café, ça fait du bien. Ça aide pour les maux de tête. Mais c'est ça, je me suis comme levée fatiguée. Puis là, genre, mon chum était ben... Ouh! Ma caméra, ça a flippé de bord. Oh, c'est juste dans l'écran. Puis mon chum était comme... stressé, puis en tout cas, il me tapait ses nerfs. Ça arrive, hein, des fois, de matin de même. Hein. Alors, c'est rare qu'on se pogne, mon chum, puis moi, mais c'est ça. Tu sais, veux pas, lui, c'est ça, il aura comme pas de travail d'ici les prochaines semaines, puis tout ça. Fait que, tu sais, veux pas, on dirait qu'il est les nerfs un petit peu... à bout, puis moi j'étais fatiguée, fait qu'on dirait j'avais pas de patience, puis lui non plus, fait que. Il me tapait ses nerfs pour tu sais, des niaiseries là, puis j'étais comme. Oh, lâche-moi. C'est vraiment rare que je fais ça, mais là je suis comme. Je suis partie de la maison parce qu'il me tapait ses nerfs, là. Fait que j'étais allée me magasiner un pyjama. C'est vraiment rare, là. Moi je suis plus du genre. On règle ça sur le tas, mais j'avais comme. J'avais pas l'énergie de m'ostiner, à rien, tu sais, c'était absolument rien, en tout cas. Je sais pas là, si ça vous arrive des fois aussi. C'est ça qui arrive, hein, des fois, quand on est tous souvent avec une personne, on se tape ses nerfs. Mais non, je niaise, sérieusement, tu sais, c'est vraiment rare qu'on se chicane, puis tu sais, on s'aime beaucoup. Mais là, ce matin, on n'avait pas de patience les deux, fait que ça fait du crêpage de chignon. Fait que là, c'est ça. Je suis décidée à la place d'aller magasiner la vie en rose pour avoir la sainte paix. Puis, puis même rendu là-bas, il y avait le monde me tapait sur les nerfs. Il y a des journées comme ça. Hein. Il y avait comme une petite madame au début, comme à, on dirait qu'elle voulait avoir de l'aide pour décrocher son t-shirt. Elle m'a demandé de l'aide, dans le fond, pour l'aider. Puis là, j'étais comme, ok, parfait, ben, dites-moi lequel vous voulez que je décroche, tu sais. Puis elle était, là, après ça, genre, là, elle était comme, ah, ben, je veux un médium. Puis là, j'étais comme, mais c'est parce que, tu sais, moi, je travaille pas ici, là. Dis-moi, c'est lequel tu veux, puis je vais te le prendre. Fait que là, au début, je commence à checker, là. Je suis comme, ah, ben, on dirait qu'il y a pas de médium. Là, on dirait qu'elle voulait que je passe tout le rack à regarder chacun des chandails pour lui dire, ah, oh, lui, l'aimez-vous? Est-ce que c'est votre grandeur? Et quand j'ai comme catché ça, je me suis dit, non, faut que je me sorte d'ici, là. Fait que là, je suis partie. Puis là, j'étais comme, ah, ben, non, celui-là, madame, c'est un small. Puis là, tellement, je suis pas, je travaille pas ici, là. Puis là, elle a demandé à quelqu'un qui travaille ici, elle lui a répondu quelque chose, elle est revenue me voir, genre j'ai décroché mon chandail, puis elle était comme, c'est un quoi ça, c'est quelle grandeur, je le trouve beau. J'étais là, non, c'est un X-Mall, il ne trouvera pas. Je suis partie, puis là, elle continue à me parler, puis j'étais comme, j'avais juste envie de dire, dégage, mais je suis trop gentille dans la vie pour dire ça, fait que je l'ai ignoré. Quand le monde est parti. Oh mon dieu! Oh, je vous dis, oh, faut pas se mettre les mains dans le visage. Mais en tout cas, bref. Fait que là, je me suis pris un petit pyjama mou pour passer mon après-midi de chialeuse à maison seule, à Banjo. Puis regardez comment il est beau! C'est avec des cafés comme ça. Je le trouvais super beau. Puis sérieusement, ça me revient vraiment pas cher. C'est un lavier en rose entrepôt. Puis le chandail m'est revenu à 7,50 puis il est super doux. C'est beau parce qu'il y a comme un petit détail de même sur la manche, là. Sur la manche, la manche est comme pliée. Fait que je l'aime full. Puis j'ai pris un petit chat qui est revenu à 5$. Il est comme gris beige. Comme ça. Puis il est genre en jogging avec du doux dedans. Il y a des poches. Je le trouvais vraiment beau, étant donné que, tu sais, on va être un petit peu plus à la maison, ben, je suis en train de m'acheter un petit pyjama doux, puis faire un petit peu renouveau. Je me suis aussi acheté des bobettes. J'étais due pour des bobettes, là, tu sais. Je sais pas si je vous montre ça. Ça me semble un peu malaisant, mais des fois, les YouTubers, ils le montrent, puis... En tout cas, j'ai pris comme un modèle de même, là. Comme ça, que c'est bobette. Dans le fond, c'est brésilienne. Comme ça, j'ai pris une couleur de même. Je vais montrer vite, vite. Comme ça. De même. Celle-là, c'est plus bobettes. Lui aussi. Puis, un comme ça.
Donc, vite, vite de même, là. Je voulais pas rentrer trop dans le détail. Puis, ceux-là, c'était dans le fond 6 pour 28 $, je pense. Fait que ça valait la peine. Puis, j'étais due pour des bobettes. D'ailleurs, je pourrais en acheter quelques-unes. Puis là, ben, c'est ça. Je pense que je vais aller, genre, prendre ma douche ou mon bain. Déjà, en plein milieu d'après-midi, mettre mon pyjama puis végéter dans le salon. C'est ce que j'ai vraiment besoin. J'ai un mal de tête. Je vais peut-être me faire un petit café, genre avec ça, puis de la lecture, puis juste regarder la télé, puis rien foutre. C'est ça que j'ai besoin. C'est ça que je trouvais. J'ai trouvé les dernières journées quand même stressantes, tu sais, je veux pas. Tu sais, plus le stress de l'inconnu, de voir comment ça va se passer, tu sais, avec. Tu sais, le travail de mon conjoint et tout ça, ben, on sait pas trop qu'est-ce qui arrive. Tu sais, c'est pas trop stressant pour le moment, mais si c'est à durer pendant un an, mais là, on parle d'autre chose, là. Puis, on sait pas trop avec, ben, c'est ça, le programme du gouvernement, qu'est-ce qui va arriver, puis tout. En tout cas, tu sais, c'est pas des... Ben oui, c'est des gros stress que nous, c'est pas trop stressant parce qu'on n'est pas dans une situation qui est trop serrée... niveau monétaire, mais tu sais, c'est juste comme un peu stressant. Puis savoir aussi avec nos proches, tout le monde va bien aller, puis tu sais, vous savez un peu, si on va manquer de nourriture, puis pas céder à la panique, là, mais tu sais, pas, ça reste stressant, puis ça reste énergivore. Puis comme je vous ai déjà dit, moi, je suis une personne qui est vraiment sensible à l'énergie des autres, puis là, tout le monde est comme sur le gros nerf, en mode apocalypse, puis juste voir ça, juste le voir, le monde au téléjournal, on dirait que ça m'épuise. Je sais pas si vous êtes comme ça. On dirait que j'ai envie de, c'est ça, de faire l'ermite chez moi, puis de rester loin de cette folie. Fait que c'est ça mon plan pour aujourd'hui. Puis on verra où, peut-être demain aussi, je sais pas trop, à suivre. Puis ben c'est pas mal ça. Là, je vais faire mon petit plan, je vais mettre mon pyjama, puis je vous le montrerai. Il ressemble à quoi, malgré que je vous ai filmé dans la cabine, c'est vrai. En tout cas, je vous le montrerai encore. J'ai été prendre ma douche, puis dans le fond, j'ai mis mon nouveau pyjama. Je l'aime full. Il est beau, hein? Comme ça. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Puis là, mon plan, c'est d'aller rejoindre mon petit coco ici, sur le sofa. Puis de regarder ça, des émissions que t'aimes ou un film que t'aimes. Et je vais essayer cette petite patch lissante-là que Chlorane m'a envoyée. J'ai jamais essayé ça, des patchs pour mettre sous les yeux. Fait que j'ai pas les yeux vraiment à état fatigué, là. Mais je sais pas. Ça me tente d'essayer ça. Puis, parce que je me suis fait un masque cette semaine, fait que j'essaie de pas trop en faire. Puis, je vais en profiter pour faire mon laser. Je suis rendue, je pense, à... comme à la 8e séance sur 12. Hey, je m'en rappelle plus si ça fait 8. Je pense que oui. Dans le fond, c'est une fois par semaine. Puis, je vous dirais, c'est encore la même chose. Là, je trouve que ça a diminué la... La repousse est genre vraiment long avant que j'aille une repousse. Puis la densité de poils est encore vraiment moindre qu'avant. Mais j'ai encore du poil qui repousse, fait que je sais pas trop. Mais tu sais, c'est ça, je suis juste à la séance. Dans le fond, c'est pendant une semaine, pendant 12 semaines à chaque semaine. Il faut le faire une fois, puis c'est... Voyons, je m'exprime mal. Pendant 12 semaines, il faut le faire une fois semaine. Puis après ça, c'est une fois par mois. Fait que je sais pas trop ça va ressembler à quoi, mais je vous redonne des nouvelles comme promis. Donc, je pense que je vais me faire un beau café, puis je vais faire mon petit planning que je vous ai expliqué. Salut tout le monde! On se retrouve un petit peu plus tard. Le soleil a commencé à se coucher. Puis, dans le fond, cet après-midi, c'était bien le fun. J'ai pris ça super relax. J'ai fait mon laser, comme je vous ai dit. Puis, j'ai écouté le film Juno. Je l'avais enregistré. Je sais même pas si je l'avais déjà regardé. Puis, tu sais, c'est un film qui a gagné un Oscar, je pense. C'est ça, un Oscar qui a gagné. Puis, il me semble qu'il avait gagné plusieurs prix. C'était très bon. C'était quand même léger. Je pensais que ça allait être un peu plus dramatique que ça, mais j'ai trouvé ça bien plaisant.
Puis là, ben, je m'apprête à souper puis regarder L'amour est dans le pré parce que je le dis, je suis passée tout droit. J'ai complètement oublié de le regarder. Ouais, je sais pas pourquoi. Fait que c'est ça. Pour souper, je me suis fait un genre de petit bol asiatique. Fait que dans le fond, j'ai fait du riz collant en dessous avec des petits cubes de saumon à l'asiatique que j'ai fait cuire à la poêle, je trouve que c'est meilleur. Puis des brocolis que j'ai fait cuire dans la marinade du saumon. Puis je vais rajouter là-dessus une petite mayonnaise épicée. Puis je suis tellement déçue. J'ai acheté le gros sriracha du Costco. Puis je le trouve dégueulasse. Il est vraiment, vraiment pas bon. Hey, mes cheveux pondus, c'est moi. Je le trouve vraiment pas bon. Il goûte genre le piment rouge. Il goûte vraiment pas comme... la sauce asiatique épicée, là. Fait qu'en tout cas, je suis vraiment déçue. Puis moi, j'aime pas les poivrons. En fait, ils goûtent le, c'est ça, les poivrons rouges. Excusez-moi. Puis moi, j'aime pas les poivrons. Fait qu'en tout cas, je suis vraiment déçue. Ben, j'aime pas les poivrons. Je commence à aimer les poivrons rouges, le goût, mais vraiment pas la texture. Ça, mettons, quand il y a des trucs aux poivrons rouges, je pense que j'aime quand même ça. Puis là, j'ai rajouté extra graines de sésame parce que j'aime vraiment ça. Fait que je pense que je vais mettre fin au vlog. Ça va avoir été un petit vlog tranquillose. Puis c'est ça, ce soir je vais faire du montage. Puis je vais prendre encore du temps pour relaxer. Parce que comme je vous dis, je me sens fatiguée. Je sais pas, tu sais, je pense que c'est comme le stress des derniers jours qui retombe. Puis moi ça m'en prend pas gros. Je suis pas une personne qui a full un gros niveau d'énergie dans la vie. Fait que c'est ça, ça m'a fait bien. Aujourd'hui, je me suis comme pas maquillée, je me suis pas préparée plus qu'il faut, puis je suis restée en mou, puis ça fait du bien des journées comme ça. Et demain, je sais pas trop c'est quoi nos plans parce que on avait prévu aller au salon de l'habitation, mais c'est annulé à cause de tout le virus. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Je sais que, tu sais, on aimerait ça continuer nos magasinages de maison. Puis, tu sais, sans se réjouir de tout ça, probablement qu'il va y avoir plus de spéciaux parce que les gens, ils sortiront pas. Puis, tu sais, mon chum va avoir plus de temps pour magasiner les spéciaux parce qu'il ben, travaillera pas. Mais c'est sûr qu'il faut pas abuser, là. On sait pas trop qu'est-ce que ça va donner, là. Je pense qu'on va garder toutes nos mêmes rénaux, mais ça va être les rénaux de la cuisine. On sait peut-être pas trop qu'est-ce qui va arriver là. C'est peut-être ça qui va être stand-by un peu, mais tu sais, c'est ça. Fait que j'aimerais ça comme qu'on continue d'aller magasiner nos affaires comme ça, si ça tombe en spécial, ben, on aura ça. Et puis c'est pas mal ça. Fait que dans le fond, je vais mettre fin au vlog, puis je vais continuer demain à vlogger. Mon chum va être à la maison. Dans le fond, il va être à la maison presque toute la semaine parce qu'il y a presque pas de chiffre de travail. Il s'est fait rajouter une journée cette semaine. Puis, ben, il lui restait des vacances qu'il gardait un petit peu pour la maison, puis pour aider son frère, parce que son frère, il rénove sa salle de bain. Puis, on a un petit peu des rendez-vous avec la maison, là, le notaire et tout ça. Mais, c'est ça, il les gardait pour là. Fait que là, dans le fond, il va les mettre aujourd'hui. Fait que, tu sais, on va être encore comme... C'est correct pour lui, il va avoir encore une semaine ou deux de payer de son salaire normal. Mais après ça, je pense qu'il va falloir qu'il soit sur le chômage. En tout cas, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils vont annoncer le gouvernement. Tu sais, je trouve que ça va faire beaucoup de gens qu'il va falloir qu'ils fassent des demandes de chômage. Fait que moi, admettons, logiquement, je me dis il faudrait que ce soit quasiment les entreprises qui maintiennent un salaire puis que les entreprises fassent des demandes au gouvernement, comment je le vois. Mais... Ça va être lundi, j'imagine que les mesures vont être mises en place. Puis, me semble logiquement, je verrais ça un petit peu plus comme ça. Mais je sais pas trop comment ça va se passer parce que ça va en faire des demandes de chômage, là. En tout cas. Fait que, bref, moi, je vais prendre ça relax ce soir, puis on se voit demain! Bye tout le monde!